Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Le retour des vidéos Planet Coaster, et pas pour rien, puisque après M.Colo Horror Show, bienvenue sur M.Colo Christmas Show. Je suis très content puisqu'aujourd'hui, eh bien, j'ai commencé un nouveau parc d'attractions Planet Coaster qui va être très sympa, puisque ça va être en rapport avec Noël. Alors, deux problématiques. La première problématique, c'est que je tourne cette vidéo alors qu'on n'est pas du tout dans la période de Noël. Donc, il y a des gens qui vont dire « M.Colo, c'est quand même vachement tôt ». Bon, écoutez, faire un parc, ça prend pas 3 jours. Donc, je peux pas faire ça la veille de Noël pour le coup. Deuxième problème, que dans un univers que je n'ai encore jamais fait, à savoir dans la neige. Et coaster oblige, vous savez très bien que les coasters ont ménage. Donc, il y a de quoi faire débat. Mais on va en parler, je vais vous présenter déjà ce que j'ai fait et je suis très content parce que déjà ce début là est assez masterclass. Alors, enfin assez masterclass, je veux dire c'est déjà mieux que tous les parcs que j'ai fait réunis. Voilà, bon je sais pas si vous m'avez compris. Faites pas attention à ce qu'il y a là ici, c'est des petits éléments de déco que je voulais pas perdre, voilà donc c'est ici. Au niveau de l'entrée, alors j'ai pas, donc le but du jeu c'est que le parc soit pas non plus gigantesque, alors on verra, faut pas qu'il soit gigantesque parce qu'il faut qu'il soit prêt pour Noël, hein. Tout simplement. Donc dans l'idée voilà, après pour le budget ça reste illimité, on s'en fiche un petit peu, soyons crédibles, mais pas voilà, on s'en fout un peu. Donc au niveau de l'entrée, c'est tout simplement à la base une petite maisonnette en chaume, si je dis pas de bêtises, une petite maison de village de conte de fées d'ailleurs, qui existe déjà, mais que j'ai customisé un petit peu en fin de compte à ma sauce, donc avec plein de guirlandes de Noël. J'ai mis des lumières d'ailleurs sur les côtés, donc vous verrez ça, je vous montrerai de nuit juste après. J'ai fait des petites barrières custom et c'est des barrières qu'on va retrouver absolument partout dans le parc. Je suis assez content parce que c'est simple, mais du coup c'est customisable à 100%, donc je les place vraiment comme je veux. J'ai ajouté des petites guirlandes dessus. Nous avons ici les pour l'entrée, voilà simplement les bonsoir, je ne sais pas comment ça s'appelle, en anglais ça s'appelle des turnstiles. Bon bref, des tourniquets. À droite on peut acheter nos billets tout simplement. Donc les billets s'achètent ici. Ah oui, alors oui, j'ai oublié un détail. J'ai installé un mod que beaucoup vont reconnaître pour les connaisseurs de Planet Coaster. Je vais pas en dire plus pour le moment, quoique si vous voyez, il manque, il n'y a pas les barrières de Planet Coaster pour les entrées d'attractions, et en fait c'est un mod qui permet ça. D'ailleurs je remercie Banéif de m'avoir aidé. Ce qui fait que tout doit être customisé de soi-même, et c'est juste super cool. Mais j'avais oublié ce détail ici, et donc là en gros il y a des stands, de points d'information, et là il y a un stand de boissons, de café, mais on s'en fiche, hein, c'est pour le... comme ça les gens consomment, mais on s'en fiche, c'est pour acheter des billets on va dire, donc voilà. Alors l'entrée, on arrive ici, comme dit je vous montrerai de nuit juste après, et on arrive sur la place principale. Pas principal, mais la place de l'entrée on va dire, avec alors aussi la petite fierté, la petite subtilité, c'est que tout ce que vous allez voir, très simplement vous dites ça en tête même si c'est simpliste, hein, tout ce que vous allez voir, tout a été fait par moi sauf tout ce qui est 3D, donc genre ça, tout ce qui est 3D c'est pas moi, et un détail dans le restaurant là bas que je vous montrerai juste après, voilà. Mais sinon tout a été fait par moi même donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, un petit comment on dit, avec des petits sapins, voilà, un petit truc décoratif avec des poubelles qui sont camouflées, ça permet voilà de ne pas abîmer, de ne pas salir le parc. Des bancs ici et là, et ici un distributeur de billets avec des, pareil de nouveau, des tourniquets sécurisés, donc tu rentres par là et tu sors par là, comme ça ça évite les problèmes, c'est un parc de Noël, j'ai pas envie qu'il y ait des agressions, j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes, tac, donc voilà, ça pareil c'est moi qui l'ai fait, avec une petite caméra de surveillance, donc je suis assez content. Deux petits distributeurs de billets, parce que c'est vrai que les gens se plaignent qu'il n'y ait pas de distributeur de billets, donc voilà, c'est chose réglée maintenant dans ce parc. Nous avons ici des toilettes, pareil, des toilettes que j'ai fait moi-même. Je suis content. Ah oui, ça je suis content les gars. Alors ça c'est ma petite fierté. Alors bon, c'est peut-être pas si fou que ça, mais je savais pas comment faire autrement. Mais les éviers, c'est pas mal, non, en vrai. Enfin les éviers, ouais, les robinets, tout. Ça ressemble à un zizi, mais c'est pas mal en vrai. Donc là, paf, les toilettes, tu rentres là, paf. Voilà, bon, y a rien derrière. Hein. Le but du jeu, c'est pas de trop en faire. Un petit sapin juste ici. C'est bien mignon, c'est bien sympa. Donc là, il y a encore rien. Donc voilà. Ici, c'est une petite attraction. Le Santa's Round, la ronde du Père Noël, donc là sans interdit. Donc vous avez compris ce que c'était, c'est les traîneaux du Père Noël. Voilà, donc l'entrée c'est par ici. Tac, le petit bonhomme de neige. Des petites, voilà, ça c'est 3D, donc ça c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est des petits rennes. Ça va mon frère? Oh il est fatigué lui, hein. Ah il est fatigué parce que je lui ai demandé beaucoup. La file d'attente donc
file d'attente tranquillou bilou. Tac, pareil, la nuit, il y a des lumières, là, vous les voyez ici, petit pingouin, je vais vous montrer ça juste après. Hop, tac, voilà, et on va faire un petit on-ride, si ça vous dit, pourquoi pas, voilà, bon, c'est tout bête, c'est tout rapide, c'est tout simple. Hop, on se met sur le traîneau numéro 2, et on est parti, tout simplement, rien de bien sorcier, c'est pas un truc de fou, hein, c'est, comment on appelle ça? Alors oui, c'est pas un flat ride, c'est pas un coaster, c'est un kiddie coaster ou pas? Parce que c'est pas vraiment un coaster en fin de compte, hein. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. La subtilité du parc, c'est que je pense qu'il sera ouvert de jour et de nuit. Voilà, un petit pingouin sur la banquise à gauche, vous l'avez vu. Voilà, je suis assez content, ça monte. Ah, regardez, hop là, de la neige. Wouh, il pleut, il neige. Alors le but du jeu, évidemment, c'est de ne pas attraper froid. Alors encore une fois, c'est assez controversé puisqu'on est dans un biome très enneigé. Et on va en parler parce qu'il faut un peu avoir d'imagination. Mais donc le but du jeu, c'est pas de se prendre de la neige dans la nuque, sinon on tombe malade. Donc tout est calculé de sorte à ce que, regardez, paf, on s'arrête. Paf, de la neige. Paf, de la neige. Paf, de la neige. Et voilà, là on s'en prend très peu, on a un petit élan de fraîcheur, hein, mais on en a pas dans la nuque, on se fait pas mouiller, on se fait pas ci et ça. Et puis voilà, tout simplement, je suis assez content, c'est un petit truc vraiment voilà, pour les enfants, pour... enfin c'est familial, on peut être, il y a combien, il y a 4 places? Non, je me suis un petit peu enflammé, il n'y a que 2 places, donc voilà, ça va assez vite, je crois qu'il y a 6 traîneaux au total, donc ça fait du 2x6, donc 12 personnes qui passent assez rapidement. Et puis voilà quoi, hein. Oh excuse-moi madame, attendez, attendez, est-ce que je peux, madame, madame, j'aimerais me mettre dans votre, j'aimerais me mettre dans vous. Voilà, on va, hop, ni vu ni connu, on va retourner ici donc dans le petit attraction. Hop, donc ici, la petite cabine, je... tranquille, hein, je me suis pas cassé la tête, il y a son petit café, une petite chaise ici, comme ça il peut se poser, et puis voilà, hein, je me suis pas cassé la tête pour l'intérieur, une petite vitre et tout, donc voilà, la télé, je mettrai moi-même les images, là pour le moment, comme le parc n'est pas fini, j'ai pas mis d'image. Et puis la sortie qui se passe ici, là faut imaginer, alors, pareil, j'ai mis des trucs de sortie de secours, il faut s'imaginer que les gens rentrent ici, et que les gens sortent là. Malheureusement, Planet Coaster, on peut pas faire en sorte que ce soit fait comme ça pour ces rails là. Mais là, on peut s'imaginer que les gens sortent ici. Alors, vous verrez, quand il y aura les visiteurs, ce sera pas le cas. Les gens vont sortir là, vont faire un détour, ça va prendre du temps. C'est pas grave, on s'en fout. Moi, je veux faire un truc plutôt RP. Donc voilà le petit bâtiment. Eh, en vrai, le petit bâtiment, je suis content. Hein. La petite structure, elle est sympa en vrai. Hein. Elle est pas compliquée hein, du tout. Mais elle fait le taf. L'avantage de la magie de Noël, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des gros trucs de fou. Et ça, c'est cool. Ça c'est pas moi qui l'ai fait, ça fait partie du jeu. Et du coup je me suis inspiré de ça pour faire ça hein, si jamais. Voilà, ensuite là nous avons ici pour le moment il n'y a pas encore de coaster hein, vous l'aurez compris. Ah oui, alors là on a un backstage, vous l'aurez compris, donc le backstage par ici, tac. Donc il n'y a pas grand chose à voir, donc là c'est pour accéder aux toilettes. Là c'est pour accéder à la salle des billets là, tac, tu vois. Et puis là c'est la maison des employés. Paf, tout simplement. Hop, voilà. Hey, j'ai pensé à tout. Hein. Le gars, je suis un petit peu parfait. Alors ici nous avons donc j'ai donné un nom à ce truc là, Santa's Chair, donc les chaises du Père Noël. Ah putain, je suis inspiré de ouf moi. Donc paf, l'entrée ici. Et ce qui est cool avec le mode qui enlève les barrières, c'est qu'il n'y a pas besoin de... Au début je voulais camoufler ça avec des ballons, mais c'est complètement con. Là il y a plus besoin de camoufler parce qu'il n'y a pas besoin de faire des entrées de fou hein, pour certains trucs. Hein. Quand tu vas dans certains parcs d'attractions, même si c'est thématisé ou non, il n'y a pas toutes les entrées qui ont des... Tu vois ce que je veux dire? Genre là, tu rentres par là, tu sais que c'est les chaises. Enfin, je veux dire, faut être débile pour pas comprendre que c'est les chaises. Attendez, je bois un petit coup mon café avant qu'il soit froid. Ah, ça fait du bien. Donc voilà, regardez, il y a de la neige un petit peu par-ci, par-là, c'est cool. Tu fais le tour du truc, tout simplement. On fait un on-ride? Non, je rigole, on fait pas de on-ride. Et on arrive ici. Tac. Alors la cabine, j'en ai chié, on dirait pas, c'est un truc tout con, je pourrais le changer. En fait, je pense que je vais le verdurer pour camoufler les défauts. Hein. Il va y avoir des buissons, des trucs comme ça peut être pas mal. Mais j'en ai chié parce que bah faut savoir que les chaises, elles montent, elles descendent. Bah d'ailleurs, là, non, elles vont au plus haut. Bah faut pas que ça touche quoi. Faut pas que ça touche. Ah bah là ça descend je crois. Pas du tout. Ah je connais vraiment bien le truc, hein, t'as vu ça? Mais voilà, faut faire gaffe, pas que ça touche. Faut que... Voilà, donc là c'est bon. Faut qu'elle puisse voir aussi. Alors j'ai mis une petite chaise haute ici, comme ça elle peut se poser tout simplement quand le truc est en route, parce qu'elle a rien à faire. Et puis elle se met là, elle regarde, elle fait ouais, tout va bien. Voilà, et puis oh non, je suis allé sur le toit. Ah c'est bon. Et puis on sort par là, tout simplement. Voilà, ensuite... C'est pas fini les amis, c'est pas fini. Ensuite, on va aller au niveau du restaurant. Nous avons... Alors là-bas, j'ai fait un sapin de Noël. Je suis content et je pense que ce sera la place principale. Et puis là c'est un sapin de Noël que je n'ai pas fait, je veux dire il est inclus dans le jeu quoi.
avec plein de cadeaux tout autour du pain d'épices. Là on est dans l'univers du pain d'épices, hein, très clairement, de toute façon c'est Noël, et donc c'est un restaurant, ce sera l'un des seuls restaurants qu'il y a dans le parc, de toute façon ce sera pas un très très grand parc, et je suis assez content. Là on a la maison des employés juste ici également, voilà, bonjour madame. Et là les gens ne peuvent pas accéder, c'est les backstage pour aller à la cuisine, paf. Et là il y a une cuisine. Et justement parmi tout ce que je n'ai pas fait, parce que j'ai tout fait en fait sauf la cuisine ici, ce truc là j'ai chopé ça sur le workshop. Et c'est pas du 3D donc c'est vraiment, ça a été super bien pensé. Par contre j'ai un petit peu customisé ça à ma sauce. Là j'ai ajouté des petites nourritures, boissons. Donc ça c'est du 3D évidemment, ce n'est pas moi qui ai fait. Mais pour le reste c'est moi qui ai fait. Et donc là nous avons le restaurant. Mais on va y aller par l'entrée quand même, hein. On va faire comme les gens civilisés. Vous voyez il y a des poubelles camouflées ici et là. C'est pas dégueu donc c'est sympa. Et ça serait bien utilisé. Le refuge, j'ai appelé ça, c'est pas mal, hein. C'est le premier truc que j'ai fait sur le parc. C'est le premier truc que j'ai fait. Derrière il y a absolument rien, pour le coup c'est très très vide. Donc je pense qu'il n'y aura pas un accès par là. Je pense que là il n'y aura pas d'accès. Je veux dire les visiteurs pourront pas passer par ici. Ce sera là le grand maximum, on verra. Donc voilà, on va un petit peu regarder. On prendra de la hauteur juste après. Donc voilà, après j'ai mis beaucoup d'éléments de détails sur les murs. Voilà, là on peut imaginer qu'il y a un menu d'afficher. Voilà, c'est sympa, on rentre, on a un petit sapin en pot. D'ailleurs, peut-être, j'y pense, peut-être, faire ça comme ça, qu'il prenne un peu moins de place. Et voilà, le pot il est plus petit, c'est pas mal en vrai comme ça. Voilà, les chaises bien sûr, et les bancs c'est 3D, vous l'avez compris que c'est pas moi qui les ai fait, mais c'était moi qui les ai placés. Tac, tout bien, les lumières, l'intérieur, c'est pas vide, vous voyez, c'est pas vide, alors c'est très la même couleur, mais n'oubliez pas que c'est l'ambiance Noël, et voilà, ce sera le petit horloge juste ici, le pain d'épices là, Kef Kef Cold Drink pour ceux qui auront la ref, bien sûr, ceux qui regardent les vidéos en fait, hein, tout simplement. Voilà, et puis donc la cuisine juste ici, accès interdit, sauf en cas de problème, bien sûr, c'est une issue de secours, n'oublie pas. Voilà, j'ai essayé de penser à ça un petit peu quand même. Voilà, et c'est un vrai restaurant, hein, c'est juste là derrière, hop, extension de restaurant, juste là, paf, attendez, pour vous montrer quand même, restaurant 12, voilà, avec absolument, absolument tout à manger, y a absolument tout à la carte, hein. On est là pour faire de l'argent, et voilà, donc les gens, vous verrez, les gens ils vont aller tout droit, paf, dans le mur, ils vont disparaître. Donc voilà pour le restaurant, les détails aussi, je vais vous montrer un petit peu vue d'en haut, regardez, j'ai fait des petits détails d'aération, je suis assez content, alors ça c'est 3D évidemment. Voilà, mais du coup, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer de nuit maintenant. Je vais vous montrer de nuit un petit peu à quoi ça ressemble. À partir de là, déjà. Hop, on va mettre minuit. Paf, il est minuit sur novembre. Donc voilà, les lumières un petit peu du rose par ici, du jaune par là. Donc c'est les projecteurs là. C'est très discret, c'est très léger. J'ai compris qu'il fallait pas non plus éblouir. On n'a pas la même perception quand on est en hauteur que quand on est en vue TG de cam, évidemment. Et le plus important, bah, c'est la vue TG de cam. Donc là, tu vois, tu t'imagines, là, c'est juste parfait l'éclairage, hein. L'éclairage il est juste parfait. Donc on arrive ici, donc là il faudra vraiment que je fasse les intérieurs, les petites lumières. Ah bah oui du coup c'est marrant, on voit les machins flotter dans le vide. Bon bref, voilà, tac, des petites lumières et là tu rentres dans le tourniquet et là on est dans l'ambiance. Ça. La 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 la. Ce qui est cool aussi, excusez-moi, ce qui est cool c'est que l'attraction a des lanternes lumineuses, ça c'est cool. Donc là vous voyez la file d'attente elle est aussi éclairée un petit peu, sans trop que ce soit éclairé mais... Voilà, après si vous avez des idées, encore une fois vraiment les gars en commentaire je compte sur vous, hein. Je compte sur vous. Voilà, niveau éclairage, bah là évidemment c'est full éclairé, enfin, c'est tamisé mais c'est full éclairé blanc pour éviter les problèmes, hein. On parle quand même d'argent. Les toilettes aussi c'est éclairé juste au-dessus évidemment. Je pourrais mettre des éclairages à l'avant du truc aussi. Attendez, on va faire ça. On va mettre de l'éclairage à l'avant. Hop. Bon, ce qui est un peu dommage c'est que ça va un peu casser le... C'est quoi ce bruit de cloche là, hein? Ah c'est ça. Très bien. Ouais ce serait peut-être un peu dommage. Alors peut-être si je fais... ah je vais plutôt faire comme ça. Oui voilà. Je vais mettre ça juste au-dessus du panneau. Ce sera juste parfait. Attends ils volent pas dans le vide là? Hop. Voilà ça fait genre... Mais tu te fous de moi ou quoi? Voilà. Tac comme ça ça éclaire gauche et droite. Voilà c'est pas mal. Là c'est vraiment pas mal. Bon là il n'y a pas d'éclairage encore, hein, vous l'avez compris. Oui alors la problématique, regardez comme il est beau le sapin. Il est beau le sapin. Et pour vous montrer aussi l'intérieur du restaurant, comment il est bien éclairé. Ah oh, là franchement. Est-ce que franchement ça donne pas envie de manger un coup là, non? Je sais pas, mais là je vois déjà bien les gens. Alors sachant que les gens ne vont jamais s'asseoir ici, hein, c'est décoratif malheureusement, mais c'est ouf. Non, alors la problématique c'est ça, c'est la neige et l'hiver. En fait il faut partir du principe que... bon c'est un jeu, et pour faire l'ambiance Noël je voulais vraiment faire l'hiver, la neige.
Bon, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais on est d'accord que déjà les coasters, quand il pleut, quand il grêle, c'est un peu la galère. Mais alors, quand il neige, j'ose même pas imaginer. Donc là, vu le climat, l'eau fraîche, glacée, vous voyez, on est vraiment dans la montagne, c'est pas juste la décoration du parc. Là, on n'est pas sur du 10 degrés, là. Là, on est quand même sur un 0 degré maximum. On est bien d'accord qu'avec un 0 degré, aucun coaster peut fonctionner. On est même en dessous de 0 degré, là. Du coup, il faut partir du principe que je vais faire des coasters dans tous les cas, vous l'aurez bien compris. Donc on va partir du principe que, décoratif ou non, la neige, c'est de la neige, mais il fait... Voilà, il fait pas, il fait bon. Donc on part de ce principe-là. Hein, les gens, ils sont en short. Là, regardez, tac, ils sont quand même en short. On a le restaurant. Bon, il y a une porte hein, quand même. Hein, donc on peut fermer et réchauffer, c'est pas le problème. Mais voilà, il faut partir de ce principe-là qu'il y a une petite ambiguïté sur le climat, puisque ben voilà, il fait froid. D'ailleurs, on l'entend au son du jeu. Hein. On sent l'air glacial, mais en fin de compte, voilà, il faut s'imaginer que si les coasters fonctionnent, c'est qu'il fait pas glacial. Voilà, c'est un petit peu le truc à prendre en compte. Sinon bah on peut pas faire de coaster et c'est vachement con quoi. Alors regardez le mode comme il est sympa, c'est qu'il permet en fait, vous voyez, c'est qu'il y a rien. Voilà, c'est qu'il y a absolument rien. Il y a pas de file d'attente, il y a pas de support, de trucs chiants. Et c'est à nous de tout faire et ça c'est génial. Donc vraiment merci à Banéif de m'avoir aiguillé. Voilà. Et ben en tout cas voilà, je vous avais un petit peu montré ce que j'ai fait. Je suis assez content, donc à voir un petit peu comment ça va évoluer, sachant que les limites du parc sont comme ça. Donc on va plutôt aller vers là, mais sans faire un trop grand truc. Moi j'aimerais bien qu'à l'entrée du parc, quand on soit là, hop, quand on soit là, ah je verrais bien un coaster ici, tu vois évidemment. Un coaster derrière, qui soit assez haut, pas trop, mais voilà qu'on le voit ici. Je verrais bien un coaster là. Un coaster là ici. Et après des petits flat rides aussi, mais on pourra mettre un coaster là. Vous voyez, trois grands coasters, enfin grands coasters, les trois grands coasters du parc, ça pourrait être pas mal. Et je vais vraiment essayer de m'appliquer et tout faire pour que ce soit stylé. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. Vraiment, je compte sur vous pour le soutien. Maximum 2 pouces bleus. Et voilà, vos commentaires très importants, vos avis, vos conseils, vos astuces. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, joyeux Noël, bonne année, joyeuse Pâques. Ciao tout le monde.